Hey, salut à tous, c'est Moltres et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouverture de booster Pokémon Soleil et Lune 2 Gardien Ascendant. Donc une petite ouverture, donc une petite vidéo sympa. Donc on va avoir 4 boosters à ouvrir en espérant qu'on va avoir beaucoup de chance. Et voilà, donc on va commencer. On va commencer l'ouverture, c'est parti. Donc bien sûr on espère qu'on va tomber sur des cartes ultra rares. Ça serait vraiment, vraiment super bien. Ouais, ça serait vraiment super. Et sinon, hein, une ou deux holos, ça peut être sympa aussi. On va voir ça. Alors, pour commencer, 1, 2, 3, 4. Hop là. On commence. Allez, la petite énergie. Le dodo à la. La civière. Le mamambo. Le tarinor. Le cas d'oiseau. Le Rocabot, le Tritox, le Cornèbre, le Scorvol et. Oh! Et le Méteno en holo. On commence super bien. C'est une carte que je n'avais pas encore dans ma collection. Vraiment super belle. Oh là là! Super super. Alors, voilà, je la mets directement sous pochette. Elle est vraiment super belle. On continue. On continue. Ah. Allez. Voilà, super. Ah, il souffre bien. Et 1, 2, 3, 4. 4, je la passe ici. Ouf. Allez, c'est parti. L'Ekaïd. Alors, loterie d'énergie. Donc celle-ci, je l'avais encore jamais vue. Super, je l'avais pas. Le Machopper. Le Sablette d'Alola, le Tiboudet, le Racaillou d'Alola, le Machoc, le Miasmias, le Mucuscule et le Plumeline, le petit Plumeline, voilà. Bon, rien de spécial dans ce booster. Alors, on continue. Alors, oh là là. Allez, attendez, tac, je prends comme ça, voilà, super. Alors, c'est pas grave, on connaît déjà une carte, c'est pas bien grave. On continue, donc 4, hop là, ouf, un petit peu, on voit un petit peu qu'elle est un petit peu abîmée la dernière, je sais pas si ça se voit trop, c'est pas très grave. Allez, donc l'énergie feu, Ténéfix, Vorastérie, fortifiant aquatique, donc sympa cette carte. Donc le petit dresseur avec une bonne faculté. Miasmias, le Machoc, le Rocabot, moi celle-ci on tombe tout le temps dessus. Le Terral, Walmer, le Racaillou d'Alola et le Pandarbar. Le petit Pandarbar. 82 sur 145. Je ne l'avais pas non plus. Bon. Voilà. Tac. Et le dernier booster. Allez. Le dernier booster. On y croit. Alors. Hop là. Tac. 1, 2, 3, 4. Hop là. C'est parti. Alors, une petite énergie haut, le Scorvol, la colline Clopatis, l'Ekaïd, le Machoc, Sablette d'Alola, Cornèvre, Galvaran, Machoc, le Lugulabre, super joli, super belle, et le Plumeline. Bon, celle-ci, on l'avait déjà. Le cadrage est vraiment, vraiment pas beau sur celle-ci. Ça se voit bien la caméra en plus. Pas très joli. Et quand même le Lugulabre en reverse. Voilà, pourquoi pas, c'est sympa. Donc voilà, pas d'ultra dans cette ouverture, hein. Mais bon, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Mais on a quand même une super holographique en le petit Méteno. Il est quand même super beau. Regardez. Voilà.
Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, c'est tout ce qu'on a eu d'intéressant, hein. On a eu que ces deux cartes. Bon, après, en 4 boosters, hein, c'est pas non plus... Voilà, je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal, hein. Une jolie holographie, comme j'ai dit. Donc, voilà. Bon, bah, sur ce, les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous aussi, vous aimez bien cette carte, la Meteno en holographique, parce que moi, je la trouve super belle. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous la trouvez super belle. Et sur ce, salut, salut !